Bonjour à tous. Bonjour à tous, on espère que vous Désolée. allez bien. Oui, désolée pour le petit retard. Voilà, mais c'est juste Problème les technique. problèmes techniques et puis aussi parce que les projets bouillonnent dans notre tête, en fait. Parce que ben, le printemps, ça fait bouillonner plein de choses dans notre tête. Donc, ben, j'espère que vous allez tous bien ce dimanche 19 mars. Et le printemps arrive donc très vite, en tout Très cas le vite. printemps occidental. Et c'est là-dessus qu'on a des petites choses à vous dire aujourd'hui. Et justement, par rapport à ça, ce printemps occidental, et vous le savez très bien que les saisons ne sont pas tout à fait rétablies dans le même, enfin, dans la même distance et dans les mêmes dates partout. Et on avait quelques questions pour vous. On avait envie de vous demander si dans le mois de février qui vient de passer et le début de ce mois de mars, enfin, la moitié de ce mois de mars, vous avez senti des choses différentes. Comment vous êtes senti? Comment étaient vos énergies? Est-ce que vous avez eu des symptômes différents ou des choses peut-être qui arrivent tout d'un coup, qui repartent tout d'un coup, qui évoluent? Enfin, dites-nous un peu comment vous vous êtes senti par rapport à ça. Je regarde. Donc déjà pour la... Ah voilà, Ginette. Ah, Salut Ginette, Ginette! Ginette, Ginette, comment vas-tu? Je vous quitte un peu quelques instants comme l'autre jour pour que tout le monde puisse en profiter. Je partage notre événement. Donc Voilà. Sandra, on avait Et. d'autres questions. C'était notamment celle de se dire, on vous parle beaucoup de portails énergétiques, d'énergie assez violente, de pleine lune, de lunes qui sont puissantes. Est-ce que ça aussi, vous avez senti des Ouais, mais ça fait influences? partie justement de ces questions-là, c'est lié, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps, en fait, depuis le mois de février, on va dire. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en vous? Parce que effectivement, il y a eu énormément de choses qui se sont passées. Alors moi, effectivement, je me suis un peu renseignée. Il y a plein de choses au niveau, on va dire, astrologique, comme d'IJP, des portails Exactement. énergétiques qu'on a passés, des pleines lunes, des choses qui étaient très, très énergétiques, avec des taux vibratoires de plus en plus élevés. Donc la Terre est en train de monter en taux vibratoire. Exactement. Et ça peut perturber, en fait, les gens qui n'arrivent pas à suivre ce mouvement-là. C'est assez perturbant parce que le corps, il n'est pas encore habitué à ces D'où notre taux élevés. question. D'où D'où notre notre question. question. Est-ce que vous êtes prêt pour le printemps? Alors, Voilà. avant de commencer tout ça, on vous rappelle, parce qu'on a beaucoup de personnes qui nous disent, ah, où est-ce qu'on peut trouver vos vidéos? Où est-ce qu'on peut trouver vos lives? À gauche de la page sur laquelle vous êtes, Rends ta vie Les vidéos. sublime, tout est inscrit. Vous avez des livres, des vidéos, et depuis ce matin, je vous ai créé des playlists où vous pouvez trouver les vidéos par thème. Vous avez aussi le lien de la chaîne YouTube qui est sur le côté, là, de la page. Vous cliquez dessus, vous allez aller directement sur la chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner. Là encore, vous avez des playlists avec plein de vidéos. Plein de Des choses. vidéos d'ailleurs qui sont sur la chaîne mais qui ne sont pas sur Facebook. Donc, vous avez vraiment le moyen de trouver plein de choses. Et puis, il va y avoir qui vont arriver des petites capsules, Moi? notamment qui traitent des éléments, de l'influence de ces éléments sur notre vie de tous les jours. L'aspect plutôt corps et énergétique et Corps l'aspect esprit. psychologique et énergétique de mon côté. Le Donc, lien corps esprit, en fait. Moi, exactement. je vais beaucoup me concentrer sur le lien corps esprit parce que c'est quelque chose qui me passionne. Et je me rends compte tous les jours que c'est tellement vrai. C'est une manière, en fait, quand on arrive à comprendre l'origine de ces mots MAUX, on donne du sens un peu à sa vie et à ce qu'on fait. Et on arrive à se prendre en main soi-même. En fait, c'est un peu ça l'idée, c'est que chacun de vous puisse être capable de se reprendre en main. Ça, c'est l'idée principale de nos interventions, c'est que vous soyez capable de vous prendre en main. Nous, on est juste là pour vous donner quelques Pour vous outils, guider. pour vous guider, pour vous inspirer, peut-être aussi pour mettre la lumière, comme on dit souvent, sur les parties chez vous qui fonctionnent mal et pourquoi elles fonctionnent mal. Mais le plus gros du travail, salut Marianelle, le plus gros du travail, c'est vraiment vous qui avez à le faire et qui devez le faire si vous voulez quelque chose qui change dans votre vie. À moins que vous soyez bien là où vous êtes. Mais je ne crois pas si vous êtes devant nous. Et alors donc, où en êtes-vous de toutes ces énergies? Est-ce que vous avez ressenti ces derniers temps justement des choses qui bouillonnent à l'intérieur de vous, des choses où tout d'un J'ai vu qu'il y coup, avait des choses qui il y a des passaient. choses Tu qui peux faire passent? défiler là, Oui, mais chérie. je vais mettre mes lunettes, Ah, excusez-moi, voilà, moi je parce que le préfère avec ses printemps. lunettes, moi. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez Sandra avec ses lunettes ou sans ses lunettes? C'est une question, c'est la question du jour. Est-ce que tu vois des... Alors, Fabi, je beaucoup pense. plus responsable, Fania, de mes choix. Je dis non à ce qui ne me convient plus. Ah oui, c'est ça, une grande sérénité. Ça, c'est super, effectivement. Il y a des choses, en fait, quand t'arrives, on arrive à faire des choix. Ça, c'est super. Et ça, c'est exactement ça. Le printemps, il est lié avec l'élément bois. En médecine chinoise, on a cinq éléments. On a le bois, on a le feu, on a la terre, on a le métal et on a l'eau. Ces cinq éléments-là s'engendrent. Et ce contrôle aussi. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Mais donc, dans le bois, On y viendra. qui est l'élément de la saison, du printemps,
on a le foie et la vésicule biliaire. Or, la vésicule, elle est responsable des choix, des décisions. Donc, justement, si tu arrives à prendre plus de décisions, à trancher, c'est que tu es en train d'harmoniser ton énergie bois, ta vésicule est bien harmonisée. Donc, ça, c'est super. Et c'est souvent ce qui se passe au printemps. Et souvent, au printemps, on s'aperçoit que pour des gens, par exemple, qui ont du mal à prendre des décisions, c'est encore plus dur au printemps parce que au printemps, la spécificité de ce moment dans l'année, c'est la profusion. Il suffit d'observer la nature. Toi, tu en as fait l'expérience ce matin. D'observer la nature autour de vous, vous avez des bourgeons à profusion, ça explose, il y a du pollen à profusion, il y a tout à profusion. Donc les gens, et vous le savez, choisir, c'est renoncer. Les gens qui ont du mal à renoncer aux choses, imaginez bien que on vous offre un plateau, c'est-à-dire que vous avez un plateau de fruits de mer, pour ceux qui aiment ça, ou de fromage, pour ceux qui n'aiment pas les fruits de mer, ou de pâtisserie. Je donne la possibilité à tout le monde. Et au lieu d'avoir 4 choix, vous en avez 18. Donc c'est encore plus difficile pour vous, qui d'habitude avait du mal à faire des choix, d'en faire. Donc bravo à Fabi, je pense que c'est Fabi, son prénom, de réussir à faire ses choix dans une période où on vous propose encore plus d'opportunités. Oui, absolument. Et c'est, alors, le printemps, c'est vraiment une période c'est de renouveau, en fait. C'est exactement comme tu disais, comme dans la nature, en fait, regardez les bourgeons, tout d'un coup, ça sort. Y a tout qui se renouvelle. On a été pendant un moment dans l'hiver où il n'y avait plus rien, où c'était vraiment, on revenait à l'intérieur de soi. C'était le cocon, l'hibernation. Et tout d'un coup, waouh, ça explose de nouveau. C'est la période des projets. C'est la période de démarrer les projets, d'oser faire les choses, l'audace. Tout d'un coup, en fait, vous savez, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, je sais que je me ressens, il y a une espèce de petite excitation, envie de faire plein de choses, envie de sortir, envie d'enlever toutes les couches de vêtements qu'on a eues pendant 3 mois, surtout nous, on était au Canada, donc on a mis des couches. Des couches, on en avait. De faire des choses nouvelles, différentes, de voir la lumière. De respirer, de marcher dans la nature. Voilà, toutes ces choses-là sont des choses qui viennent de cette énergie qui monte des profondeurs. Est-ce que vous sentez l'impact que ça a sur Sandra, cette énergie, ce regain de forme? Et depuis à peu près un mois, elle a besoin de bouger beaucoup plus que d'habitude parce que c'est une personne qui a besoin de faire de l'activité physique. Sinon, si elle reste trop longtemps assise ou dans un endroit... Ça part aussi être, alors que moi, finalement, au bout d'un moment, j'ai besoin d'être encore plus au ralenti. Mmh. C'est pour ça aussi qu'on se complète. J'ai besoin de moins d'efforts. Mais Sandra est déjà quelqu'un qui est très active. Donc, au printemps, j'aime autant vous dire que ça s'active grandement. Ouais, et justement, je rebondis sur ce que tu dis parce que le danger, justement, de gens comme moi, en fait, maintenant, j'apprends justement par la médecine chinoise et tout ça, mais le danger des gens qui sont toujours besoin d'être dans l'action, de faire quelque chose, c'est que vous ne prenez même pas le temps des moments de vie, en fait, où vous devriez justement ralentir, recharger les batteries pour mieux repartir. Et c'est ça le rôle de l'hiver. L'hiver, on est censé être au ralenti. On est censé rester chez soi un maximum. On est censé dormir plus. D'ailleurs, les journées sont plus courtes. Il fait nuit beaucoup plus longtemps. C'est vraiment quelque chose de retour sur soi, recentrage, pour redonner de l'énergie au corps, aux organes, à tout, pour être prêt à affronter le printemps. Parce que, je ne sais pas si vous avez observé, mais le printemps, c'est violent quand même. Quand les bourgeons sortent, ça part d'un coup, quoi. Ça explose d'un coup. Je rigole parce que là, sur l'ordinateur, moi, j'ai des commentaires qu'on ne voyait pas. Oui. Et donc, il y a Jean qui dit « le printemps » pour l'interrogation, mais on se les gèle ici. Salut Jean. On n'avait pas fait avancer les commentaires, on était restés sur les commentaires. Salut Nancy, on a plein de Canadiens qui sont là. Effectivement. Salut les amis. Et vous savez quoi? À ce sujet, une petite parenthèse que j'ouvre. On discutait avec Sandra quand on était au Québec et que soi-disant on devait avoir moins 25, moins 30 et que nous, on n'est pas allé plus loin que moins 14 et il a fallu qu'on reste dehors la nuit pour que ça arrive. On se disait, voilà, et je lui disais, tu verras, l'hiver est pas très rigoureux, il va durer très longtemps. Jean, désolé, je te jure, c'est fatigant d'avoir toujours raison, c'est très dur à soutenir, mais c'est vraiment une discussion qu'on a eue et je lui dis, tu verras, il va y avoir un hiver assez long, ils vont avoir de la neige assez longtemps. Et je serais curieux de voir où on sera la neige, peut-être qu'il n'y aura plus rien, mais je reviens le 20 avril, c'est pas si loin que ça, c'est dans un mois. Je serais curieux de voir où vous allez en être. Mais justement, alors pour les Québécois, ça c'est une bonne question aussi, c'est que j'entends très bien, effectivement, on a vu passer toutes vos vidéos, c'est incroyable, il y a la tempête, il y a de la neige, etc. Et ce que j'aimerais savoir, c'est, parce que là je vous entends tous, vous en avez mais ras-le-bol, quoi, ras-le-bol de la neige, de ça. Il y a une colère, quoi, une irritation, une irritabilité. Or ça, c'est le sentiment du printemps. Et moi, ce qui m'intéresserait,
c'est de savoir, est-ce que quand commence, je sais pas, le mois, je sais pas quand est-ce que vous commencez à avoir de la neige, mais ça doit être à peu près novembre, octobre, novembre. Est-ce que dans les premiers mois, vous avez cette même colère, irritation? Je pense pas. Mais dites-le nous, ce serait intéressant. Parce que sur ce qu'on voit de leur vidéo, sur ce qu'on voit de leur vidéo, non, il y a une espèce de joie. Je me rappelle de François Lemay qui a mis une petite vidéo, yes, les premières neiges, et qui a rajouté, bon, on sait que dans un mois et demi, ça va nous tanner d'avoir de la neige, mais néanmoins, au moment où la neige arrivait, il était quand même excité. Alors que ça fait des années que, sûrement, au mois de mars, il se dit, on est tanné de la neige. Pour ceux qui sont pas québécois, tanné, ça veut dire qu'on en a marre, on n'en peut plus, c'est ras la casquette. Nous, on est bilingue maintenant, on parle québécois couramment. Donc, coucou à tous nos Québécois. Nancy, j'ai vu. Émilie, bonjour. Bernard Jean, tiens, notre spécialiste de la vidéo. Tu pourras nous dire si notre qualité de live est pas trop mal. Donc, le printemps, comme disait Sandra, c'est vraiment un moment, c'est le royaume de l'action. C'est-à-dire que même des gens, alors sauf celui qui a le problème du choix, malheureusement. Je t'interromps deux secondes parce que je finis sur ce que je disais tout à l'heure, juste sur l'irritabilité, ça m'intéresse parce que c'est effectivement, juste pour finir ça, c'est... pour que vous le sachiez, en fait. Ça fait plus de deux secondes, hein, mais bon. L'énergie, je sais même plus ce que je dis. Est-ce que vous vous sentez irrité début novembre quand la neige arrive, alors que vous êtes irrité maintenant qu'on est dans le printemps? Non, je replace dans le contexte. Oui, voilà, bon, vous voyez, on est vachement bien organisé. Hein. Le printemps énergétique, selon le calendrier chinois, il commence non pas le 21 mars, pardon, comme ici en Occident et tout ça, il commence mi-février. On était au Québec déjà. Et on était au Québec à ce moment-là et on commençait déjà à entendre les Québécois dire « Nous, on était là, on a de la neige, c'est top parce que nous, on ne connaît pas » et dire « Il y en a un peu ras-le-bol, là. Vous êtes gentils, là, la neige, c'est bon, on a donné. Quand est-ce que le printemps arrive? Quand est-ce qu'il fait beau ?» Voilà. Et est-ce que vous avez cette bascule à un moment donné où tout d'un coup, vous sentez, vous avez envie de faire des choses et puis vous êtes bloqué par la neige, quoi. C'est ça qui est intéressant de savoir parce que là, ça veut dire que vous ressentez vraiment ce que c'est que le printemps et que son énergie qui monte à ce moment-là. C'est vraiment lui qui pousse au portillon, notamment parce que vous vous rappelez qu'on vous a dit en hiver, d'ailleurs on a fait deux lives à ce sujet quand on était au Québec, en hiver c'est vraiment le moment de se recentrer, d'aller en profondeur, de commencer à penser ses projets, de commencer à les mettre sur papier, de commencer peut-être même à s'entourer de gens qui vont nous permettre de les réaliser. Et le printemps, c'est vraiment le moment où on va lancer ses projets. Et comme par hasard, oh salut mon cousin Cédric, comme par hasard, le printemps l'hiver dure chez vous et finalement vous empêche de passer à l'action. Exactement. Pour ceux qui sont déjà prêts. Alors ceux qui sont pas prêts, ils font tant mieux, comme ça je passe pas à l'action. Mais ceux qui sont prêts, en revanche, ils sont comme, vous savez, ces chevaux qui sont dans le départ au tiercé, là, enfin aux courses de chevaux, et qu'on retient, mais au moment où on ouvre la porte, donc quand il va commencer à faire beau, vous allez voir, ça va sortir. Et c'est là où vous, qui êtes prêts, devrez faire preuve finalement d'être posé et de ne pas vous laisser entraîner par ce flux pour ne pas faire n'importe quoi et pour faire des actions qui aient un sens, qui soient collées à votre projet. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des actions, ça veut dire qu'il ne faut pas vous laisser entraîner par ce flux qui va arriver parce que généralement, on ne va pas forcément dans le bon sens quand on est entraîné comme ça par tout ce qui se passe. Parce que le printemps, la transformation, c'est violent. Le printemps, c'est violent. Ça explose. Ouais, ça l'est. Et un petit conseil, si vous vous sentez fatigué en ce moment, ça peut être tout à fait le cas parce que la transition par le printemps n'est pas simple. Ça peut aussi vouloir dire que vous avez un peu trop tiré sur la corde en hiver alors qu'il fallait se reposer. Une option. Mais quoi qu'il arrive, écoutez-vous à ce moment-là. Il faut vraiment se poser. Il faut vraiment que votre corps puisse reconstituer son énergie, ses batteries, pour être prêt à affronter la saison suivante, le printemps, l'émergence de tout ce qui se passe. En fait, pour rebondir sur ce que tu disais sur le côté violent, c'est toujours au printemps, souvent, qu'il y a eu des mouvements de renouveau social. Le printemps de Prague, mai 68, c'était des événements en fait, qui faisaient bouger les choses, et c'était dans cette période-là. Il y a beaucoup d'énergie, on a un regain d'énergie. Cette énergie, elle est là, et on a envie. On a envie d'utiliser, on meurt d'envie d'utiliser et on a ce mauvais temps qui nous empêche de le faire. Ou on a une personne qui nous empêche de le faire parce qu'on parle du temps, mais ça peut être une personne qui est plutôt, bon, on va dire le mot, qui est plutôt métal et qui a tendance à vous couper un peu, à dire « Oh, calme, t'excites pas. » Vous savez, pour savoir un petit peu comme ça quel est votre élément, demandez-vous comment vous êtes devant une personne qui est super enthousiasme, qui déborde d'énergie, qui a un feu follet, là, qui est virevoltant, qui n'arrête pas de parler, de bouger, d'avoir des projets, de partir dans tous les sens. Comment vous êtes devant ces personnes-là? Moi, perso, j'ai les poils qui font ça. J'ai qu'une envie, c'est de la sangler au sol, de l'attacher sur un siège.
Parce que moi, je suis l'aimant métal, que le métal coupe le bois, que le bois, bah, c'est la personne que je viens de vous décrire. Il est en train de vous faire un cours de médecine chinoise. Voilà. Et en fait, mais moi, je parle plus d'un point de vue comportement. Ouais, ouais. Et en fait, c'est ça, c'est que bah, vous pouvez déjà savoir si vous êtes l'un ou l'autre des deux éléments que je viens de dire. Coucou, maman. Ah, il y a maman, maman, coucou. Savoir si vous êtes l'un des deux de ces deux éléments, donc ceux qui sont tourbillonnants, moi, j'appelle ça tourbillon printanier. Tourbillonnants, bah, ils vont se reconnaître dans l'élément bois, il y a de fortes chances. Ouais. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de présence, c'est là où on en vient. Il y a beaucoup de présence, mais justement, alors, attention, c'est pas négatif ce qu'on est en train de dire, parce que ce qui est génial dans tout ça, par exemple, justement, les gens qui sont très très dans l'élément bois, le fameux tourbillon printanier dont tu parles, c'est des gens qui ont beaucoup souvent de ressenti, d'intuition, d'hypersensibilité. Ça aussi, c'est intéressant de voir comment vous êtes par rapport à ça, pour savoir si vous êtes, en fait, si votre foie, votre vésicule sont bien équilibrés, si vos organes sont bien équilibrés, énergétiquement, je veux dire. Parce que quelqu'un qui est en hypersensibilité, qui va attirer finalement tout ce qui se passe, être comme une éponge, à un moment donné, c'est son foie qui fait tampon. Et c'est là-dessus qu'il faut rééquilibrer. C'est ce qui me vient. Ouais. On a partagé un verre avec des amis l'autre soir. Et j'ai eu mal à la tête le lendemain. Et je pense que je viens de percuter que, effectivement, l'alcool est quelque chose, genre, on ne boit pas souvent, mais qui sollicite le foie plus que d'autres choses. Ouais. Et le mal de tête correspond au bois et donc au foie. Et il se peut fort que, en ce moment, on travaille beaucoup, on a beaucoup d'idées, on peut beaucoup dans l'action. Mon foie est sûrement un peu irrité par ça. Certainement. Donc, peut-être que c'est le signal que, pose-toi 30 secondes, prends un peu de recul, vois ce que tu as déjà fait, vois si tu es dans le bon chemin. C'est ce qu'on fait un petit peu depuis deux jours. Et également, des tout petits conseils que je vous donne, justement, si vous ressentez un peu des symptômes pas terribles, foie, la vésicule et choses comme ça. Vu qu'on est dans la saison vraiment de l'élément et que c'est maintenant, en fait, quand on arrive dans la saison d'un élément, d'un organe. Dites-nous si vous reconnaissez. Hein. C'est là où cet organe est énergétiquement au plus fort et donc où agir sur lui est le plus efficace. Ouais. Les médecins chinois, en fait. C'est le bon moment. Exactement. Les médecins chinois, ils vont vous recevoir chez eux, même si c'est 3 heures du matin, mais à l'heure de l'organe pour pouvoir traiter au mieux l'organe, en fait. Donc, justement. Pour avoir une idée de ce que c'est un médecin chinois, j'ai posté une petite vidéo, ça s'appelle La crise, ouais. N'attendez pas que ce soit la crise pour agir. Vous allez dans l'onglet vidéo, vous regardez, toutes les vidéos sont présentées, et vous allez dans les vidéos inspirantes. Vous verrez, justement, c'est pendant le film La crise, il y a un des deux protagonistes qui explique ce que c'est un médecin, comment travaille le médecin chinois en Chine. Vous allez voir, c'est très amusant et très inspirant, et ça peut vous amener à réfléchir aussi de à quel moment faut agir pour aller contre ça. Donc, l'idée, c'est maintenant, c'est d'alléger, parce que tu parlais d'alcool et tout ouais, ça. Ouais. C'est vrai que là, au printemps, c'est la saison idéale pour nettoyer votre foie, pour détoxifier, pour purifier. Donc, alléger votre nourriture, buvez beaucoup d'eau. Il y a plein de choses comme moi, souvent, ce que je fais à moi et du coup à lui, parce qu'il me demande, c'est des massages sur le foie avec de l'huile essentielle de menthe poivrée, par exemple. L'amande poivrée, c'est une huile essentielle qui est très, très utile pour le foie. Ou alors, poser une bouillette chaude sur votre foie, parce que aussi, ça va l'aider. Il a besoin de chaud pour pouvoir agir. Tout ce que vous allez lui donner à ce pauvre foie, lui, en fait, c'est le général des armées dans le corps. Donc, il est censé filtrer tout. Et s'il y a trop de choses, trop d'émotions, trop, lui, il veut protéger le cœur. Il est son protecteur. Et du coup, il va transformer ça en maladie psychosomatique. Comme un exemple, par exemple Je ne sais pas. Psychosomatique, il y en a plein, des maladies psychosomatiques, en fait. Là, tu me prends de court, je ne sais pas. Ah, si vous avez des idées. Si, enfin, il y a tellement de maladies, de pathologies. En fait, 99%... Mal de tête un peu, mais tout, en fait. C'est pour ça que j'avais un peu de mal. Migraine, ça peut être très bien une hyperactivité, un surchargement du poids. Comment dire, c'est pour ça que j'avais du mal avec ta question. C'est que, finalement, 99% de vos pathologies sont psychosomatiques, sont liées à justement, soit une émotion, soit quelque chose qui se passe à l'intérieur, qui est lié à l'extérieur, donc aux saisons, au climat, à l'environnement, à l'ambiance, à plein de trucs comme ça. Donc, toutes vos pathologies, entre guillemets, sont a priori beaucoup psychosomatiques. Influencées. En tout cas, c'est intéressant d'aller se poser la question à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose. Alors, oui, Miguel. Ah, si. Tendon.
Les gens qui se font, si, si, au niveau des tendons, parce que le bois, c'est des tendons. Oui. Les gens qui ont des inflammations des tendons, justement, au moment du printemps. Donc, on se met à avoir mal au niveau d'un genou, au niveau d'un coude, en plus le genou. Ouais, mais après, effectivement, après tout ça, chaque pathologie, en fait, a une signification. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller voir ce qu'il y a derrière. Pourquoi? Parce que, effectivement, le tendon ou sur le côté du tibia, par exemple, des crampes au mollet sur le côté du tibia, on est sur le parcours de la vésicule biliaire. Donc, il est intéressant de Donc se c'est des dire. endroits qui pouvaient être douloureux dans des moments où on est en surcharge Oui, ou ou alors il y a en peut-être un problème manque. de choix à faire et de décision qui font que ben, ça empêche d'avancer. Donc quelque Enfin chose voilà, il qui y a plein de peut, choses comme ça. on va descendre jusque-là, quelque chose qui peut intervenir quand on est dans ce moment de décision et qu'on ne décide pas, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on résiste à faire, à changer, parce que généralement on prend des décisions pour changer quelque chose, et là on peut se retrouver avec un lumbago. Résistance au changement. Donc, voyez, on peut vraiment avec les éléments essayer arriver à trouver, mais pourquoi est-ce Ouais, que je bloque au expliquer niveau du tout. dos en ce Ouais, moment? Et de se exactement. dire qu'est-ce qu'il y a dans ma vie, qu'est-ce qui se passe dans ma vie qui fait que j'ai ce lumbago? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie que je vais au ski depuis des années, je me suis jamais rien fait, mais cette année, comme par hasard, mon genou il lâche, pof, les tendons, les ligaments, ils partent, alors que j'ai des décisions à prendre, que je résiste, etc. C'est comme là, on est vraiment dans l'aspect développement personnel, c'est-à-dire que vous prenez les mots du corps et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie actuellement? Et est-ce que j'ai déjà eu ces mots-là dans le passé, dans les mêmes genres de situations? Et là, vous allez pouvoir vous faire une espèce de petit calendrier finalement, vous allez dire, bah, ah bah, je me rappelle, il y a 2 ans, j'ai eu ça, et comme par hasard, c'était à cette époque-là, et comme par hasard, j'avais des choix, et vous faites ça, et vous allez pouvoir trouver comment vous fonctionnez, et c'est là où ça devient intéressant. On va commencer à pouvoir agir dessus et à transformer ça et à changer ça pour que ça ne se reproduise pas, ou en tout cas pour le prévenir. Ouais, exactement. Pour être, et c'est là où ça devient justement où nous, c'est ça qu'on va chercher, c'est vous faire capter ça pour que vous puissiez vous rendre compte de ça, avancer et devenir responsable de votre vie en fait. Donc Pas dites-nous un petit subir. peu, exactement, dites-nous un petit peu si vous vous Ouais. reconnaissez dans l'élément bois, si vous êtes en suractivité en ce moment et que c'est vraiment votre style bah, d'avoir un peu de tendinite, d'avoir des De maux maux de de dos en tête, fait, le dos, le beaucoup dos, mieux la etc. Allez-y, tête. dites-nous si vous ressentez dans ce truc-là. Mettez des commentaires, n'hésitez pas. C'est vraiment important pour que vous puissiez, pour qu'on puisse par la suite prendre des sujets dans ce que vous nous dites, parce que c'est avec ce que vous dites et ce que vous posez comme question qu'on s'inspire. Donc posez vos questions. N'hésitez pas, salut Céd, n'hésitez pas à écrire en commentaire si vous vous ressentez dans les mêmes symptômes qu'on décrit là, si vous vous sentez plutôt métal, comme tout à l'heure, comme je disais, celui qui coupe le tourbillon printanier là, qui nous énerve tous. Hein. Voilà, Est-ce que si vous vous êtes êtes métal, vous me comprenez. agité? Hein. Est-ce que vous êtes dans l'agitation, dans l'excitation, dans la colère? Est-ce que, au Marquez-nous tout contraire, ça en dessous là. est-ce qu'au contraire vous vous sentez un peu déprimé, un peu, on va dire, apathique? Voilà. Parce que tout ça aussi, c'est des significations du bois en excès ou en vide, suivant le cas, en fait, en déséquilibre, quoi qu'il arrive. Donc c'est important d'écrire tout ça et notre ami Ced vient d'arriver, lui aussi est très dynamique, bouge beaucoup, va dans tous les sens. Donc Oui, mon ami attention, Ced, attention, je Seb. pense que tu as un tantinet bois quand même toi. Donc ce sera intéressant, tu regarderas le début du live, tu comprendras ce que je viens de dire Ced. Donc voilà, on voulait vraiment vous parler du printemps et de tous les changements qu'il apporte. Et surtout, surtout, le printemps n'est pas le moment pour faire germer des graines. Le printemps c'est le moment pour les faire sortir. Ok, donc c'est pas le moment de penser à de nouveaux projets. Vous avez réfléchi pendant l'hiver, vous avez mis des choses en place. Par exemple, comme Seth, je sais qu'il a réfléchi cet hiver à des projets qu'il a commencé à lancer. D'ailleurs, il est aligné avec le printemps énergétique Absolument, ouais. parce que lui, il a commencé à lancer ses projets. Et c'est important de commencer à lancer ses projets maintenant parce que c'est un bon moment, c'est un moment d'élan. En fait, voilà, c'est ça. C'est que le printemps, c'est C'est un élan ça monte vers le haut exponentiel. en C'est fait. Ouais. exponentiel, c'est ça. L'énergie, elle vient du fond du corps. Elle était en hiver, elle était hibernée Exactement. à l'intérieur des os et tout ça. Et elle est maintenant en train de monter jusqu'aux couches superficielles du corps, de sortir. C'est Et tu exactement parlais ça. de graines à ne pas planter. En revanche, c'est une saison pour manger les graines germées. Parce que c'est la saison pour manger finalement tout ce qui va avec ce bois, c'est-à-dire tout ce qui sort de la terre. Donc on n'est Ouais. plus dans les légumes racines, on est dans le vert Tout ce déjà, qui tout ce qui sort, est ouais. légumes verts, ça c'est évident. Voilà, ça soit les asperges, que ça soit les artichauts, que ça soit toutes les graines germées. Enfin, Les il y a. épinards.
Oui, les épinards. Non, Oui, si, des épinards, c'est des feuilles, c'est pas des graines. ouais, c'est non, c'est des Non, c'est des feuilles, mais racines. c'est non, mais c'est il faut que ça sorte en fait et que ça soit Ah, vert, donc c'est d'accord. bien. Je suis pas aussi au bout de ça. Moi, je me pose une question, chérie. On est quand même 22, 25 connectés depuis tout à l'heure et personne n'est bois, personne n'est métal, personne n'a mal nulle part, tout le monde va bien. Alors, si vous allez tous bien, écrivez-nous comment vous faites en commentaire. Oui, parce que chez nous, Mais ça nous intéresse. voilà. Ou alors, c'est parce qu'ils sont tous paralysés des doigts et qu'ils n'arrivent pas à taper les commentaires. Enfin, je sais pas. Il se passe un truc avec les commentaires. À part Ced, vous voyez comme quoi il est bien dans le printemps. Ced, il tape avec ses petits doigts sur le clavier. Donc, montrez-nous que vous êtes là quand même. Tapez un peu sur le pouce là qu'on voit s'il y a du monde. Parce qu'on se demande. Ça se trouve, c'est l'ordinateur qui crée Ouais, en 21 fait, personnes. il crée des trucs, il crée des Donc. commentaires. Cède, 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 cède. En fait, pour en revenir, vraiment pour en revenir au printemps, c'est une période que vous devez saisir d'abord pour lancer vos projets, faire des changements, opérer des changements dans votre vie, changer d'attitude. En revanche, on parle bien de changement, on ne parle pas d'être radical. On voit, nous prenons l'exemple des régimes, on sent que l'été arrive, parce que c'est normal, le printemps, il y a le soleil qui arrive, donc on se dit, ouh là là, notre cerveau, il reçoit le message que l'été arrive bientôt. Et là, on se met à faire des régimes draconiens. Sauf que, un régime, ça se fait l'hiver. Ça ne se fait pas au printemps et ça ne se fait pas en été. Parce que ça se fait l'hiver parce qu'on a des réserves. Et on est censé faire des réserves au printemps et en été, Et surtout en en été été. d'ailleurs. C'est l'été où on fait les Or, on fait régimes, mais en l'inverse, fait, nous. on fait On fait l'inverse. l'inverse et c'est pas bon. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Entre autres, il n'y a pas que cette raison, mais c'est une des raisons pour Parce qu'en lesquelles ça ne fait, marche les pas. animaux, ils vont stocker durant l'été, ils vont stocker plein de choses Les parce que du ours. coup, Ça va après, parler à certains, ça. ouais. Parce qu'après, ils hibernent, ils sont dans leur grotte et ils hibernent et du coup, ils vivent sur leur réserve pendant tout l'hiver. Donc c'est un peu ça l'image. Bon, nous, on ne fait pas du tout ça. On est plutôt dans quelque chose de complètement différent. Mais d'ailleurs, si on suivait vraiment les éléments, on ne devrait pas avoir toutes les vacances d'été là en été. Allez, Il on faudrait en a qu'elles déjà soient en parlé de ça. hiver. Ben oui. Et travailler l'été où on est en plein yang, où on est en pleine maturité de tous nos projets. On a la Donc, pêche et tout, et c'est le ouais. moment où on va essayer de se reposer. Donc on ne se repose pas en fait, hein, c'est pas vrai. Hein. Il n'y a jamais personne qui rentre de vacances en disant oh, je suis super reposé, je suis. Non. Non. On rentre tous cramés et on redémarre l'année cramé. Et on lutte contre l'hiver parce qu'il fait gris, parce que machin, parce qu'il fait froid et tout, puis on n'est pas Et content, on est on en râle, résistance en permanence. on résiste, puis on arrive au printemps, on est cramé. Mettez-nous en commentaire si jamais vous retrouvez vos doigts. Qui se sent cramé déjà en ce moment, rien que avec l'énergie qui est ambiante? Qui se sent fatigué? Qui se sent vide d'énergie? Comment vous vous sentez dans l'absolu là maintenant? Parce qu'on n'a toujours pas eu la réponse à notre question. Mais apparemment, ils ne Savoir veulent pas nous l'énergie répondre. C'est du moment en dimanche. fait. Mais écoute, je sais pas, ils sont peut-être fatigués. En tout cas. Enfin voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment une saison qui est super importante. C'est une saison charnière et qui est pas simple parce que c'est violent. Enfin, encore une fois, le printemps, c'est la suite. Mais C'est si on vrai. n'est pas préparé, c'est violent. Donc pensez à toutes les herbes qui peuvent vous aider. Il y a plein de choses, hein, la phytothérapie, les massages, le qigong, marcher dans la nature, marcher, marcher. La nature, c'est la saison du bois. Donc c'est justement inspirez-vous de la nature, laissez-vous apaiser par ça. Et puis, Nancy qui nous dit c'est de la fatigue de bonheur, les vacances. Oui, mais c'est dès lors que tu vas avoir passé une semaine de rentrée et ça sera tout disparu parce que justement, c'est pas un vrai repos et ça reste pas. Et ce qui serait important, c'est que cette fatigue de bonheur, comme tu dis, elle te permette d'avoir de l'énergie pour pouvoir la attaquer suite, la suite. ouais. Or, c'est pas le cas parce que on est plus dans à En penser, à regretter de plus être en vacances parce que justement, on n'a pas récupéré en fait, fait. on s'épuise le reste du temps. Donc on bosse, on fait des trucs, on est dans l'action en permanence jusqu'à l'épuisement. Après, on se dit, fou, j'en peux plus, je vais prendre une semaine, 15 jours de vacances. Donc qu'est-ce qu'on fait pendant cette semaine de vacances? En général, il faut quand même un peu de temps de décompression avant de vraiment profiter des vacances. Donc ben, finalement, on essaye de recharger les batteries, mais c'est pas terrible. Et puis hop. Ça y est, c'est reparti et on repart dans une espèce de cycle infernal. Observez ce que vous faites sur les Ouais. vacances. Pour ceux qui ont des enfants, on voit même pour ceux qui n'en ont pas, mais observez ce que vous faites pendant les vacances de Pâques. Vous allez voir quel genre de vacances vous Qu'est-ce que vous avez prenez. prévu là aux Qu'est-ce que vous vacances avez de Pâques? prévu? Dans quel sentiment vous êtes dans l'attente de ces vacances, etc. Dites-nous un peu vos ressentis. Alors même si c'est pas là en direct, dites-le après. Comment vous vous sentez avec tout ce remue-ménage qui se fait autour de nous quand le printemps arrive? Et que il nous met dans une énergie très très active. Écoutez, on va se quitter Voilà, là-dessus. ouais. Donc,
Pensez à vous alimenter différemment. On n'est plus en hiver, donc De manière plus légère. des pousses extérieures, donc Voilà, si j'ai bien compris. alléger la nourriture, c'est-à-dire tout ce qui est, on va dire, graisse un peu, tout ce qui est un peu trop riche, l'alcool, les plats un peu gras, etc. Bah, levez le pied un peu là-dessus. On n'a Hein. pas dit supprimer, hein. On On n'a a pas dit supprimé, alléger, mais hein. levez le pied. Voilà, surtout si vous sentez des symptômes, si vous Et êtes en pleine ensuite, forme, j'en sais rien. Hein. donc ça, boire un citron le Ah oui, matin alors dans nous, de on l'eau fait ça. chaude pour Ouais. nettoyer, Nettoyer le foie. prendre le temps si vous êtes submergé par un tas de questions, par un tas de questionnements, prendre le temps de poser ça sur papier et de Ouais. regarder ce qui est prioritaire. Vous Ouais. pouvez aller voir, il y a trois petites vidéos qui tournent sur établir ses priorités. Ça aussi, vous allez trouver ça sur le site internet, il n'y a pas de souci. Pour établir les priorités, etc., etc. Posez-vous face à cette énergie qui vous submerge, si ça vous submerge. Et attention, pour les autres qui sont à l'aise là-dedans, de ne pas en remettre une couche supplémentaire en étant vous-même surénergétique ou suractivé Ouais. pour ne pas vous griller pour l'été et l'automne qui reste encore à passer. Donc, On est prenez dans le quelque temps chose de... de voir ce Ouais, qui se passe en face de vous et autour de vous. tout à fait. Quelque chose d'assez doux, en fait. Le printemps, c'est à la fois, c'est violent au début quand ça commence, mais et ça demande quelque chose de doux, de bienveillant, en fait. Donc, soyez dans la bienveillance, soyez voilà, dans tout ça, ce qui vous fait du bien, et marchez, et sortez, et respirez l'air, Et voilà. et voilà. Donc, on vous dit à bientôt dans un nouveau live. N'oubliez pas, toutes nos vidéos, vous allez les retrouver dans les playlists que j'ai fabriquées sur Facebook pour vous en cliquant à gauche. Vous avez un lien pour y aller. Vous allez les retrouver dans les vidéos YouTube que vous avez aussi à votre gauche pour y aller. Et puis, likez la page Rentabilité Sublime si ce n'est pas encore fait. Invitez des amis aussi à venir liker cette page si vous pensez que ce qu'on dit, ce qu'on raconte, ce qu'on fait, nos pitreries, tout ça, nos conseils peuvent aider d'autres personnes. Et moi, je vais vous préparer quelques petites vidéos, justement, beaucoup plus peut-être pédagogiques, on va dire, rentrer un peu plus dans les Structuré. détails, structurés, si tu veux. Mais le but du live, c'est pas d'être structuré pour les puristes. Le but du live n'est pas d'être structuré, mais d'être interactif. C'est pour ça qu'on vous incite à mettre des commentaires. Et merci Nancy d'avoir participé, ainsi que Merci tous Nancy. les autres. Et aussi, j'ai vu Émilie qui a répondu à la question. Céd, et puis Kelly qui est venue aussi. Oui. Ginette, Fabi. Voilà, c'est Fabi que je cherchais. Donc d'avoir participé, d'avoir mis des commentaires, c'est ça Merci qui à fait vivre vous. un live. Ouais. Merci à vous. Merci à Et on vous. vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. À Ciao! bientôt.